retour à l'épisode 12, donc je me suis téléporté à un avant-poste assez proche pour faire la quête du vieillard. Et on y fonce direct dessus. Allez, Jean-Pierre, viens ici. Mon petit Jean-Pierre, voilà mon petit... Oh putain, Jean-Pierre, il m'a foutu un sprint là. Allez, on y va. C'est parti. On a 300 petites bornes à faire. Enfin, 300 pieds à faire. C'est rapide. What the fuck? Viens là, viens là. Ouais, c'est ça qu'on faut. C'est ça qu'il nous faut. Putain, il sprint beaucoup trop vite. Je sais que c'est assez rapide cette bébête, mais putain. Allez Minou, viens là. Putain, j'ai hâte de me pourchasser à deux temps de sabre. C'est ridicule. Mais putain, tu vas pas me dire que t'es... Et il est intra-attrapable, quoi. Ah bah... Putain, il en a fallu, hein. Normalement, là, je peux aller confectionner une cabane. T'es où, toi? Jean-Luc. Non, c'est Jean-Pierre. On va retourner voir mon petit vieillard. Hop. Allez, c'est parti. On a quelques bornes à faire, mais... Oui, quelques bornes. On a quand même pas mal de bornes. À cause de ce lion noir, là, qui nous a... fait courir... 3 minutes, hein, dites-vous. 3 minutes depuis le début de la vidéo, et il nous a fait courir 3 minutes. Ouh là 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 là. Oh, putain. On s'est pris des murs, Jean-Pierre. On est pour Anto, il est là. Ouf. Pas faire, tu vois. Oh putain, il est violent notre Jean-Pierre. Allez hop, on fouille. Putain, la nuit c'est direct devenu plus violent, quoi.
remonter. Putain, on est arrivé vraiment, on a commencé la quête au crépuscule. Ça va pas le faire. C'est sympa d'avoir une bête, tu vois. Elle nous protège. Putain, la nuit, franchement, je voudrais pas être dans cette forêt la nuit. Hein. Fou, je me ferais bouffer en deux secondes, moi. Comme les Udames, tu vois, les Udames, je me prendrais. Ah putain, faut que j'y aille. On va le poursuivre. Allez, allez. Cours vite quand même ce pierre de totem. Mais je pense que chacun a sa propre limite. Et que nous, on n'a aucune limite. Wouhou. Hé, hey, derrière tes fesses. Pof, pof, pof. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Ah ouais, d'accord, on l'avait tué déjà. Surtout toi, être con quoi. Vous bornez surtout. Bah je me disais bien, vous êtes un peu con et borné. Hop. On récupère ça. On va récupérer un peu tous, tout quoi. Hop. On récupère. Putain, la mission fut rapide. Je préfère quand c'est plus long, tu sais, avec la petite chasse et tout ça. Hop. Voilà. Donc normalement, on peut tout nettoyer là. Comme je vous l'ai dit, il y a un bûcher ici. On va aller le faire. Il est pas loin. Viens là, Jean-Pierre. Je te donne un peu de viande. Et tu me laisses monter sur ton dos, ça va? C'est un bon deal, non? Feuille de l'être du sud. Touché. Il y a une feuille rouge, ça par contre c'est vraiment utile à récupérer. Pour Jean-Pierre, il a tendance à mourir assez rapidement. Hein. Voilà. On va monter ton dos. Allez hop, c'est parti. Allez hop, on va débloquer ce bûcher. Non, un mammouth, bah non, mammouth, j'allais dire une connerie, le mammouth est pas aussi rapide qu'un dent de sabre. Je pense que le mammouth c'est bien quand tu veux tanker une base, ça va être pas mal. Mais je pense qu'il y a que pour ça, je pense. Après, avec un mammouth tu peux te faire plaisir, je pense, tout simplement. Enfin, plaisir. Faut avoir des plaisirs bizarres pour monter à deux de mammouth. Hein. Mais non, je pense que ça va être le même gameplay que sur Far Cry 3. 4 avec les éléphants, donc ouais, à voir si ça change vraiment ou pas. Bon là par contre je vais descendre. Nous on va se mettre en mode et on va appeler l'hibou. Petit hibou qui va nous permettre de faire une petite reconnaissance. Ça c'est cool. Vas-y, vas-y. Continue. Putain, mais tu vas mourir. Ah, petit coup derrière la nuque là.
Hop, tu t'es pris le vase en pleine gueule. Hop, on fouille. Et l'autre, il s'est pris aussi un petit saguet. Bon, je peux pas en fabriquer énormément là. Hop, on va aller quand même fouiller. Voilà, on a débloqué la base. Enfin, la base. Le bûcher. On va partir sur l'avant-poste. On va tenter l'avant-poste. Hein. Écoutez, moi je dis, il n'y a rien à perdre. Autant tenter. Et si. Bon, j'ai une cache de récompense. Ça doit être. Parfait là. Je peux quasiment tout transférer. Hop. Donc là, franchement, on peut se faire plaise. Ouais, bon, voilà, je pense que je peux tout transférer. Y a pas grand chose. À faire hop et hop, pot de jaguar. Par contre, y'a pas de pot de bête. Bon, franchement, faut que j'aille. Quoique, j'ai vu quoi là? Pot de bête aussi, je viens de remplir mon sac de. Avec hop, c'est bon. Ça va être vallée d'une ascente des routes. Il y a un avant-poste ici. Alors, franchement, les avant-postes ça peut attendre. Par contre, la chasse au yak pour débloquer les vêtements et résister au froid H24, ça c'est vraiment vraiment utile. Alors, on va partir par là. On va aller chasser le yak et partir voir le chasseur directement. Alors, comme ça, on fait une pierre deux coups. Alors là, voilà. Non, bah non, tu vois, je voulais pas le nourrir, tu vois, je voulais juste monter sur son dos. T'es un peu bête. Voilà, hop, c'est parti. On va aller chasser le yak qui vient de disparaître. Tout à coup. Alors, hop, c'est par là. On a 700 pieds à faire. C'est raisonnable. Enfin, quand tu restes pas bloqué dans une pierre. C'est raisonnable. Po. Ça change du cheval, tu vois. Ça me fait penser un peu aux montures dents de sabre de WoW. Et franchement, c'est un pur régal. J'ai toujours aimé les chatons et détester les chevaux. Ça, je me comprends, mais quel régal. Je pense le dire toute l'aventure, quel régal d'être à dents de sabre. Et je pense que je voudrais bien savoir quelle autre monture on peut monter. Là. On peut pas le monter, ça non plus. Donc je pense qu'on peut vraiment que monter des dents de sabre. De toute façon, on le sort à 10 directement. Donc là, faut aller sur place. Mais c'était en compétence, j'avais vu. Donc un jeune mammouth est maintenu pour appuyer sur son dos. Ouais. Chevaucher plus de bêtes après les avoir apprivoisées. Dents de sabre et dents de sabre gros de sang. Ours brun. Ah, les commandes sont les mêmes que là. On peut monter sur un ours brun. Ok, donc ça c'est sympa. En déplaçant, vous pouvez viser et lancer un gourdin ou un saguet. Gagner une barre au point d'avoir. Ok, changement d'arme avec X et Y. Il me faut 6 points. Il me faut 6 points pour avoir ma nouvelle barre de vie. Alors, franchement, économiser nos points de compétences. Bon, là, je sens que ma vie est très limite. Ouais! Par contre, il est très 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 maniable ce dent de sable. Je critiquais qu'il pouvait pas monter, mais il saute très haut. Et le froid nous attaque déjà. Super. Alors, si le froid nous attaque, déjà, c'est pas bon. C'est tout le monde à aimer pour vous. Ouais, pour vous, la propre. Aïe! Ah, lumière invisible, ouais. Alors, la chasse. Je suis pas le seul à chasser le yak, je crois.
Hop. Le yak, normalement, c'est par là. Je vois pas du tout où il est. Enfin, c'est pas précis, précis quoi, mais. Normalement. Je me demande comment une espèce comme le Dol peut se retrouver ici. Si ça vraiment doit être vraiment des voraces. Je perds quand même les plumes. Hop. Je pense que tout le monde a déjà vu ce que c'est un yak. C'est qu'un yak. Et franchement, ça ressemble pas à ce que je viens de voir. Le yak, c'est par ici. Bon, on va écouter, on va débloquer le bûcher au moins. Il sera fait. Et peut-être on aura peut-être une meilleure vision de d'où peut être le. Où peut être le yak. Il me faut pas beaucoup de yak en plus. On va jouer au saguet dans tous les cas. Peau de yak blanc. Oh bois. Direct. Petite tête. Petite headshot en scope, tu vois. Tranquille. On est sur Call of Primal. Tranquillou. Voilà, bûche à débloquer. C'est parfait. Là, on va peut-être avoir un bon. Ouais, on aura un bon visu pour savoir s'il y a des yaks. J'ai bien fait de capturer le bûcher. Et on augmente aussi la population des Wanger. Peau de yak, c'est très rare le yak. D'accord. Oh, c'est bon à savoir. Hutte de Jaima. La hutte de Jaima. Point de compétence. On y est presque, les amis. On y est presque. On a débloqué pas mal de choses. Elle, il faut encore pierre du sud, de l'érable du sud. Et le pot de serre. Très rare. Le souci, c'est que. C'est difficile d'en trouver. C'est assez difficile d'en trouver. Alors, qu'est-ce qu'il me veut comme quête, lui? Il me donne quoi comme quête? Il vous faut la complète pour créer cette mission. Ok. Bon, dans tous les cas, il faut que je capture cet avant-poste. C'est irréfutable, mon cher Jean-Pierre. Tiens, en parlant de toi, Jean-Pierre, tu me suis? C'est des chèvres. De belles chèvres. 100 d'oros. Oh, très rare. Hop, on récupère un peu de tout. Hop. On va éviter de se péter la gueule. Alors là, j'ai pas compris. À chaque fois, j'ai ce bug. Et hop là. Écoute, c'est toi qui m'as cherché, hein, tu me sautes dessus, moi je te bute. Non mais oh. Tu oses m'attaquer et après tu oses fuir. Ça doit être un truc à ces armes là. Bon, quoique. Voilà. La base elle doit être là-haut, je pense. Franchement,
La map de neige quand même elle est pas mal. Même si la barre de froid, bon c'est réaliste hein. On est à moitié à poil. C'est normal qu'on doive se protéger du froid. On va prendre un peu. Voilà. On va prendre un peu le. Mais où est la base ? Y a un yak. Putain, j'ai cru que le truc m'avait dit mec. Je pense que ça va être une base sous la neige. C'est obligé. Il y a de la fumée là, ça va être par là. En tous les cas, il faut que je me réchauffe dans le cœur. C'est obligatoirement là. Ouais, je me trompe peut-être, mais. En tout cas, je ne me suiciderai pas. Je vais essayer de passer par là tranquillement et avancer prudemment. Là le froid il disparaît un petit à petit. Bon il y a carrément tout disparu. Mais moi je crois que j'ai trouvé la base. Ça doit être bien là. Oh putain. Wainja. Ah non, culé. J'ai pété leur truc, mais c'est un peu trop tard. Du coup, je vais me taper les renforts qui vont arriver. Ah, les enculés. Oh, bonjour les amis. Je crois que je me suis fait des ennemis là. Des violents là. Ils ont pris cher. Hop, ça c'est bon. Par contre toi. Alors toi tu veux pas rentrer? Mais viens, je te promets tes amis sont encore en vie. En fait non, c'était juste pour que tu rentres. On a une petite base souterraine là, ça va nous permettre de. Bah, le temps que je me fasse ma tenue, de ne plus avoir froid. Enfin, normalement, j'ai tué un yak, mais c'est pas ça. Ok. On va essayer de récupérer pas mal de choses sur les corps. Faut pas oublier qu'il en loot pas mal de choses. Encore sur Far Cry 4. T'avais pas grand chose à loot sur les ennemis, mais là tu peux récupérer de la graisse, de la peau de bébête. Pas mal de choses. Donc on va se faire plaisir. On récupère du silex là en ce moment.
Hop. Le sac, c'est aussi intéressant à récupérer. Il y a un sac là-haut à récupérer, non? Ou je... Ah, il y a... Okay. Hop. C'est toujours bon à prendre. Voilà. On casse un peu ce qui nous sert à rien. Et voilà. Donc on a déjà débrouillé cette partie du nord. Là, il y a le grand mammouth dont on ne fera pas encore la chasse. J'ai fort peur que ce soit un peu difficile. Et c'est parti. Alors maintenant on va voir ce qu'il y a à faire. Très difficile. Lendemain gardé affronte. Parlez-vous de ce fort de garder affronter le commandement. Ok. Oui, c'est une forteresse. On va pas forcément essayer d'attaquer ce genre de choses. Moi je dis on va partir sur le village. Et on reviendra juste après pour le chasseur pour le prochain épisode. Mais je sais, déjà avec le peu de temps qu'il nous reste, j'essaie de développer le chaman. La hutte du chaman peut être intéressante à développer. Et aller voir le vieux. Je sais pas ce qu'il veut, mais. Voilà. Hutte du chaman améliorée. Il manque plus que la chasseresse, Garoche et celle du vieux fou. Donc hop, pom, 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 pom. Et on va aller voir ce que veut le vieillard. Je suppose que comme j'ai fait, j'ai bossé pour lui, il va me récompenser avec un bel objet. Il est un peu fou, c'est un pisseux, c'est lui le pisseux, c'est pas moi. Fort comme le pisseux, je me disais bien. Pas mal son totem, faut avouer quand même, il a un esprit artistique très développé. On dirait. Le futur de Picasso, franchement. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a à récupérer par ici? Oh, de la peau de bête. De la peau de bête. Pas grand-chose. Et déjà, ce qu'il faut pour développer son... Bon, déjà, les cailloux du sud, c'est fait. Du cerf rare, ça va être un peu difficile. Érable du sud, ok. C'est pas n'importe quoi. Hop. Densu, sa chinchu. Wadoln. On va voir ce qu'il y a dans la cage des récompenses. Bon, je pense pas grand chose depuis qu'on est parti. Mais ça peut toujours servir. On a récupéré de la peau d'ours, mais rien de très particulier. Peau de rhino. Peau de loup tigré, de loup blanc. De cerf blanc. Alors, on aperçoit parfois le cerf blanc au milieu d'autres cerfs. Ouais. Donc là, c'est une bête assez rare. Je peux te l'accorder, grand élan roux. Jaguar noir, ouais. Poisson croc rouge, ouais, je suis d'accord. Et Reno, elle est putain. Il y en a des. Il y en a des trucs, ouais. Parfois, il y a de blanc parmi d'autres yaks. Ouais. C'est. Bon, mais de toute façon, peu rare, ouais. Donc, c'est. Un animal assez rare. Et bah écoutez, on va finir cet épisode sur cette vision de notre beau village. Et cette musique vient juste de s'interrompre. Ah non, elle est là.